Bonjour à tous et bienvenue pour du Feed the Turtle en compagnie d'Epefort moi-même. Cela fait très longtemps que je me suis pas du tout connecté sur le serveur. Ça fait environ 3 semaines que je me suis pas du tout connecté. Sauf hier que je me suis connecté pour afin de voir un petit peu ce qui me restait à faire. Et notamment voir un petit peu ce qu'on pourrait faire ensemble. Alors, j'espère que vous avez aimé, normalement vous avez aimé le craft avec Greg Tech. Là on va passer à un autre mode, je viens juste de décider du mode qu'on va utiliser. Le mode c'est Raycraft, donc c'est avec l'essence là, le Crazy Hot Oil, qui s'obtient avec du charbon quand on fait fondre. Là j'ai mis des blocs parce que c'est plus rentable. Bah c'est pas plus rentable, disons que pour le même temps de cuisson à peu près, on a 9 fois plus de liquide, donc c'est pas plus mal, voilà. Glass bottle qui se met là-dedans. Ah oui, d'accord, donc il y a glass bottle qui se met là-dedans, ok, d'accord. Et glass bottle, ça se fait avec du verre, et le verre, c'est de la seine. Qui dit de la seine? Oui, bah voilà, donc forcément. Sans doute, je lui ai pas appris le craft, hein, ça doit être pour ça. Moi j'aime bien toujours mettre mes items au milieu. L'app, la send, que je dois la faire cuire, ça doit être là-dedans, oui. Voilà, classe. Ah bah si, je lui ai appris à faire des patterns. Bon, ok. Alors je ne sais pas pourquoi. Ouais, voilà. Ou sinon, je lui ai pas appris à faire le pattern de la bottle. Ça doit être plutôt ça, c'est le pattern de la bottle qui doit lui manquer. Effectivement, puisque sinon il me l'aurait déjà fait fondre. Tac, 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 voilà. Ça, c'est un Minecraft de base de Vanilla. Donc, un Minecraft Vanilla, donc forcément, il doit le connaître par cœur. Paf. Et normalement, ça l'injecte directement dedans quand il est créé. Ok. Voilà, oui, effectivement. Voilà, là, il y a des glass bottles, paf, il y a le liquide qui se fait. Il est automatiquement aspiré. Bon, c'est un basique, hein, parce que c'est du 1 par 1. Donc ça, c'est pas plus mal. Là, ça se fait automatiquement. Dès qu'il y en a plus, paf, il en recrée avec du charbon. Le charbon qui est là. Ah, j'ai bien fait de le vider. Hein. Ah ouais. 4096, cool. Bah, 4087 maintenant, parce que... moins, parce qu'il vient de... Ouais. Il vient d'en bouffer pour faire des blocs, justement. Il va directement dans le compresseur, et le compresseur fait du bloc call et call, voilà. Alors, normalement, si tout s'est bien passé avant... Coke, voilà, coke. On en est à 590 blocs purs, plus calco, call à côté. Voilà. Aujourd'hui, on va faire Raycraft. Raycraft, alors j'ai besoin de ce liquide, pourquoi? Ce liquide-là, le Crézote, je vais le mettre dans une œil, Crézote, voilà. Dans des bottles, pour ça j'ai mis des bottles, on peut faire plusieurs choses, notamment des torches, ceci, des wooden tea. Des wooden tea, je vais en avoir besoin, vous verrez pourquoi après. On peut colorier des blocs, des bûches. On peut mettre dans le fluide, mais le fluide transporteur, ça sert à rien du fait qu'on ait la machine pour. Carpenter, et ainsi de suite, fuseur pour faire du verre. Bio engine, mais bon, ça c'est pas du tout rentable du tout. Hein. Durée 5000 ticks, tu vois, 5000 ticks c'est déjà pas mal. Ça bouffe là. Ce que j'ai besoin, c'est ceci. Là, c'est une bottle et 3 slabs. De n'importe quel type de bois, ça me fait une wooden tea. Grâce à cette wooden tea, on va entamer le mode Raycraft. Alors, je vais afficher les tracks, les rails. Pouf, voilà. Les rails là, c'est pour faire justement le tunnel. Le tunnel là, avec la gare centrale. Là, le projet que je voulais faire depuis l'ancienne saison. L'ancienne saison, sachant que quasiment tout le monde avait son monde. C'était pas vraiment obligé de le faire, et sachant qu'on était juste à 1000 blocs de l'un de l'autre, ça ne servait pas vraiment qu'il y ait justement... comment ? Une gare. Dans cette saison-là,
justement, nous, on va avoir besoin de gars. Sachant que Silver est dans l'Overworld, Redix aussi, les autres aussi, sauf Turtle qui a son monde. Moi, je suis resté dans l'Overworld, pourquoi ? Parce que je veux faire, justement, le... Coucou, Lanterman. Justement, la ville sous-marine. Alors, voilà. Wooden Tea. Ouf ! Justement, j'ai besoin de Wooden Tea pour faire des rails. Alors ça, c'est des suspend tracks, donc c'est pour suspendre, justement, les rails en hauteur. Sur une certaine distance, hein, ça doit être 8 ou 10 blocs d'intervalle avec un pilier. Mais en tout cas, ça sert à ça. Ah, je savais pas que on pouvait le faire comme ça. Wooden rail. Ah oui, c'est pour des rails en bois, d'accord. Moi, je m'en fous un peu. Donc, après, il me faut 4 comme ça pour me faire un wooden rail bed. Et ceci me permettra de me faire mes rails. C'est les rails de Minecraft Vanilla, quand il y a un mode, par exemple, Railcraft, il change complètement le craft. C'est justement. Donc vous voyez, moi il me faut des booster tracks, des rails normales, peut-être des détecteurs parce qu'on va en avoir besoin, des activators, peut-être pas, je vais éviter, les boring tracks, peut-être pas celle-là, lockdown, non plus, control track oui, parce que ça veut dire que ça va que dans un seul sens. Les jonctions, ça pourrait être faisable, effectivement. Les switch, peut-être pas trop les switch, je ne sais pas. Les embarked track, donc ça permet de nous téléporter directement dans le... Dans le kart dès qu'il est à proximité. Ce qui passera justement dans 1.8, c'est un rail qui permettra de prendre des passages ou pas. Mais là, vu qu'on a un 6.4, on a toujours on a le mode. Buffer, on en a pas, ça on en a pas besoin non plus. Les wooded surtout pas, les wooded non plus, bah c'est que du bois là, donc ça va être un peu just. Ouais. Tout cela, je les ai pas trop testés, donc après on peut aller faire via l'assembly machine, mais bon c'est pas ce qui m'intéresse. Les advents, on va pouvoir avoir les élévateurs, donc ça peut servir d'échelle et en même temps pour faire monter des cartes en hauteur. Ça, c'est ce qui est super génial. Il y a quoi d'autre? Alors, normalement, il n'y a que comme ça que je pourrais savoir si je les prends. Advance, on peut faire autre chose que des advance. Normalement il y a d'autres tracks hein, mais je suis littéralement perdu en fait. Ok, bon c'est pas grave. On a les obsidiennes, hein, donc c'est un peu plus cher à faire. Limite un peu plus cher d'ailleurs. Bon c'est de l'obsidienne pulvérisée ou en dust avec du steel hein, dans une rolling machine, c'est pas ce qui est de plus compliqué. Ou tungsten rod dans une plague mini machine, mais bon, c'est un peu cher. Ça change pas ce qu'il faut, donc voilà. Donc, justement, pour faire ceci, on va lui dire que les bottles, là, quand elles sont remplies, je veux qu'il fasse le craft. Alors là, on est déjà dans Applied Energistic, qui me permettent. Les wooden tea sont déjà faites. D'accord, ok. Ça c'est très bien, ça veut dire que c'est déjà fait. Je vais le mettre ici pour avoir j'ai fait une quarry, je vous verrai dans le monde quarry. Justement j'ai fait deux quarries, bah une que j'ai déplacée deux fois. Ouais. C'est toujours pas terminé ça. Alors. X7. Alloy. Ah d'accord, il y en a 20. Oh la vache. C'est pas grave. Donc, les wooden tea. Là, j'en ai que 13. Bon. 13, c'est cool et c'est pas cool à la fois. On va en mettre 4. Voilà. Je vais lui dire qu'il fasse un encodage. Pouf. Hop. Je vais le mettre dans Apply. Alors, ici, dans Apply, j'ai plus beaucoup de place. Donc, ça veut dire que le CPU, il faudra que j'augmente sa. Comment
sa puissance et sa portée. Forcément, il va me coûter un peu plus cher en énergie. Mais vu que c'est la fabrique d'armes au-dessus qui alimente ma quarry, le réseau Apply plus des réseaux externes, m'en fous. Hein. En fait, elle s'adapte en fonction de la quantité d'énergie que j'ai besoin. Donc ça, c'est très bien. Du coup, le ramène du diamant aussi. Là, une bête, ok. La clé, ouais. Ok. Eh ben c'est cool. Glace, ouais, des bottles, hein, quand il se remplit, paf, hop, ça en fait d'autres, tiens, tout. Ben, c'est bon. Alors, après les wooden, il va falloir faire des tracks de base. Mais moi, j'étais sûr d'avoir... Ah oui, voilà, c'est les HS. Alors, là, ça devient un peu plus cher. C'est du steel, donc n'importe quel mode, des blaze powder et des gold. Voilà. Je me disais bien qu'il manquait des rails, voilà. C'est les HS track, donc ce qu'on a vu là. HS plus des stone T, donc c'est un rebar et des slabs en... Des stone slabs. Donc ça se fait dans une roll machine avec trois fers. Donc je vais devoir faire une petite salle avec... des rolling machines et un réseau. Donc je vais voir si la rolling est de faite de base. Non, elle n'est pas faite de base. Donc, c'est un tout petit chien. La rolling machine, tu peux pas lui dire qu'elle me montre le craft? Non. Ok, bon. Tant pis. Rolling machine, hop. Pas se faire chier, paf, on bloque, on verrouille, on encode. Voilà, hop, je fous ça là-dedans. Ouf. Ça me fait des rollings. Les rollings, vous voyez, là, ils me disent qu'il y a des crafts, je vais en faire 12. Normalement, ça doit me les faire quasiment instant, sachant qu'il y a des trucs qui sont déjà en stock. Donc c'est pas plus mal. Nous en sommes déjà à 16 minutes, 12. Blah. 12 minutes, voilà, ça passe vite. Combien ils m'ont fait encore? 4. Vous voyez, c'est du fer, hein, et comme il est en train de me les faire avec des bûches, machin et autres, ça va très vite. Voilà, j'ai les 12. Je vais me faire un Tesseract. Un Tesseract full, non, Tesseract non. Hop, j'en demande un. Normalement, voilà, il me crée tout. De A à Z, il me crée vraiment tout. Ça, c'est très bien. Voilà. Alors, sachant que ça c'est fait, maintenant, me faut de l'iron. Iron, il m'en faut 3. 1, 2, 3. Il me faut des stone slab, de préférence. Sachant qu'il n'y en a pas, il faut que j'en crée. Vous voyez, hein, c'est un peu chiant quand on n'a pas tout. Voilà, j'ai pas une nappe de craft 6. Voilà, slab. J'ai des énergies normalement sur moi. Ouais, c'est une énergie. Des énergies, j'en avais. Ça, c'est quoi? Des fluides? Ok, mais moi, je veux pas qu'il fasse des fluides, je veux qu'il fasse de l'énergie. Donc, on va attendre un peu. Mon Tesseract, il est fait ou quoi? Non, il est toujours pas fait. Normalement, ça doit se faire d'ici très peu. J'ai très peu de temps, voyez-vous. Et ça, c'est un tout petit chouïa compliqué. Voilà. Ça a de l'aide à transformer en dust. Pyro. Je sais pas ce qu'il veut me faire avec mes pyros. Je ne sais pas. Il faudrait que je vérifie au niveau des crafts, mais je crois qu'il y en a qu'un qui passe dedans. Lui, ok, c'est des blazes. Alors, les blazes. Ah oui, c'est de la glowstone. C'est très pratique. C'est de la redstone avec une glowstone dust. Donc, ça fait des blazes pas de. Ça, c'est génial.
Normalement, le Tesseract, il doit être accompli. Ouais, tout à fait. Ah bah, c'est génial. Bon, alors ça étant fait, j'ai eu 3 fers, j'ai le pattern qui est fait. On peut faire des slabs. Alors, ça, c'est un réseau rien que pour eux. Je vais pas empiéter dessus parce que je vais peut-être mettre d'autres choses derrière ou devant, j'en sais rien. Je sais que... Là. Derrière. Ok, j'ai plus d'énergie. Pourquoi j'ai plus d'énergie là-dedans? Allô, oui? Énergie contrôleur. Énergie reçue? Ouais. Allô, oui, Houston, on a un problème. Bon, ça, je m'en fous un peu. Ok, je m'en fous plus. Oh, c'est quoi cette merde? D'accord. En fait, c'est juste un bug. Ok, bon bah... Ok. C'est... Ouais. Ah. Vous voyez. C'est juste un petit bug des fois qu'on a comme ça. Du coup, où est-ce que je vais mettre cette... ce truc. Je ne sais pas du tout où est-ce que je pourrais faire ceci. Il y a Turtle qui me demande d'aller voir chez lui le temps que ça se fasse un petit peu, ça. Ah, Turtle. Ok. Ça, c'est son ancienne maison. Ça, c'est mon coffre que j'ai mis. Il y a des vaches de partout. Ok. Il est où son livre? Je suis en train de lui demander son livre, où est-ce qu'il est? Ah bah là je pense, 104. Rien dit. Voilà. Ouais. Ouais le mec! Ouais le mec! Il a 27 panels. Il a 27 panels. Ouais le mec. Il a 27 millions. C'est bien ça, hein? Ouais, c'est ça. 27 millions. Ouais. Et tout son... compresseur, ok. Ah oui, bah ça va, il en a fait des Black Binding Machine. Ouais, tranquille, le mec. Ouais, militanité, ok. Il a pris quoi comme craft? Ok, il a pas dit, il a pris les gunpowder. Le réseau applied, ouais. Il est où son compartiment d'alimentation? Ouais, 29 MJ. C'est correct. C'est quoi ce truc? Ouais. attendez, je vais le refaire. Ouais, le mec, il en a 27! J'en ai pas beaucoup, moi. Bah, j'en ai quand même. Hein. Lol, et j'ai relancé des Scenarium Panel hier à crafter, au moins le modular est rapide. Ouais, sans déconner, tu mets une glowstone dedans et tu vas voir. Ah.
Alors, il m'a demandé que je mette une glowstone. Glow. Ok, vu qu'il n'y a plus de glow, bah... Voilà, j'en ai 4. Ouais, bah oui, il fait du 13 000, quoi. Ouais, moi je fais plus. Et j'ai moins de stockage. Ah non, j'ai plus de stockage que lui. Parce que moi j'ai un bah, le craft qu'on a fait. Hein, donc. Ah oui. D'accord, ça va dans le bleu là. Ok, qui va dans le bleu là. Ici, ça fait des... Waouh, mais c'est quoi cette table? Liquid Crafter. Allô, oui. Oui, bonjour. Moi... Ouais, mais là, la vache. Ouais, enfin bref, il a beaucoup quoi. Qu'est-ce qu'il a fait ici? Ouah, c'est quoi ce truc? Excusez-moi du mot, mais... Putain. Oh, oh la vache. Oh, je pense qu'on va en reparler ce soir, parce que... Oh putain. Mais c'est quoi qu'il a mis? C'est des rails? C'est des rails de quoi? Ouais. Ouais, Hein, voilà. Je crois qu'on va se parler ce soir, hein, parce que... Ouais, mais il en a plein partout. Oh, il n'y a plus beaucoup d'énergie. Ouais, bon, ok, Oui, il a bien fait de me dire d'aller chez moi. Je sais pas ce que c'est ça, mais je pense que c'est les turbines de Gregtech. Si c'est ça, putain, mais il va me dépasser, lui. Faut que je remédie à ça. Le livre de retour. H85. Pour tourner ici. Nexus pour tourner chez moi. Bah, au monde standard. Et chez moi. Ok. Ok, ok. Bon, en même temps, vu l'heure qu'il y a... je vais vous faire juste une petite visite du monde de Quarry qui se trouve ici. Voilà. Allô, oui. Bonjour. Voilà. Alors ici nous sommes sur un Densor parce qu'il y a du diamant à la couche 54. Normal. Alors, normal s'il flande un peu parce que on a un Ensor stable, mais on a dû lui mettre une corruption qui pleut et qui boule à... dehors. Si on n'a pas l'armure, là on pourrait brûler, mais comme il pleut, bah on brûle pas en fait. T'avais vu tout le diamant? C'est cool. Ah ouais, en plus ça continue. 44 diamants, un petit filon, voilà. C'est ce qui s'appelle être tranquille. Quoi. Hop. Ça c'est quoi? Oh, c'est un slim qui brûle. Ok. Bon, bah voilà. C'était la petite visite chez Turtle. Hein, parce que ça fait très longtemps que je suis pas retourné. Et puis, ouais, ça fait bizarre. Je confirme que ça fait vraiment, vraiment bizarre.
Hop. Je récupère le quartz, hein, parce que le quartz, je vais en avoir besoin pour améliorer mon CPU central. C'est... voilà, quoi. Puis, vous voyez, j'ai mis là-haut. Hein, donc, c'est du cube optique, hein, quasiment. Hein. Quasiment du cube optique, alors ça va super bien. Voilà, voilà. Alors, je l'ai fait tout à l'heure, ou hier. C'est juste l'aquarelle, là. Donc, vous voyez, je lui envoie du 25... MJ Party, parce que je suis en train d'utiliser le... comment... le... ah, comment ça s'appelle? Le Rock Crusher, donc il a besoin de beaucoup d'énergie. Mais voyez, tranquille. Ah, je crois... non, c'est plutôt lui qui utilise 25 MJ, en fait. D'accord. Bon, enfin bref, il utilise beaucoup. Pas beaucoup. Par rapport à ce que je produis, donc c'est pas plus mal. Ah là, voilà. Bon, allez hop. Ouais, je vous laisse, vous voyez, hein, ça c'est des turtles qui ont fait ça, le trou là. Et là, c'est les quarries. Hein. Les turtles, ils auraient passé au milieu de ça, et que les quarries, non. Dès qu'il y a une source, ils s'en foutent royalement. Voilà. Bon, allez, sur ce, messieurs. Messieurs, dames, merci d'avoir regardé. Je vous dis à une prochaine vidéo. Vous étiez en compagnie d'EPFort. Et je vous dis ciao tout le monde. Allez, bye bye.